Et nous sommes repartis. Tiens, il y a eu un mort là. Merde. Bon, on va zapper. Voilà. Let's do it. Donc on va refaire ce combat à la con qu'on a un peu, on n'a pas merdé parce que bon oui il y aurait la statue, elle ferait des lasers, je sais pas, genre comme quand elle avait détruit le robot. Mais bon c'est pas grave, honnêtement c'est bien, ça va faire un peu de ménage dans les deux camps. Genre ceux-là par exemple on en a rien à foutre, ce serait bien qu'ils crèvent. Il y a que la sœur Glory qu'il faut la sauver. Ceux-là aussi on en a rien à foutre, donc ils peuvent crever et peut-être qu'on peut récupérer leurs armes et trucs comme ça. Ah, donc ouais. Alors, faut pas oublier qu'on a notre camion. Voilà. Thunder. 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 On va la mettre là. On va faire comme tout à l'heure, c'était bien. Par contre, on va pas faire l'attaque spéciale. L'attaque spéciale, en fait, elle fait quoi? Elle fait juste plus de dégâts? Parce que je sais même pas si elle met du feu, en fait. Ah, mais c'est stylé, en fait. Ça fait que du feu rouge, maintenant. Étouffé, hein, c'est ça? Engouffré, c'est pareil. Donc ça, ça veut dire qu'ils sont en feu. Ouais, non, ok. Maintenant, c'est comme ça. C'est... Ouais, non, ça, c'est cool. Très content de ça. On aurait dû le prendre bien longtemps. Alors... On peut s'en servir comme protection. Un truc que je comprends pas vraiment pourquoi, c'est juste la moitié. Parce que, ouais, ils considèrent la chenille, en fait. Enfin, bref. Alors Zeus on peut l'avancer. Pour le moment. On va tester un truc. On va dire fuck you. Je vois que la fée des caméras vous a rendu... Quoi? J'ai rien compris. C'est trop subtil, j'ai rien compris. Non, pas ça. On va prendre ça. Voilà. Joli combo, les gamins. Joli. Allez où, Fury? Parfait. Donc elle a 8 PA, l'autre elle en a 7. Ah ah. Je suis content qu'elle ait fait un critique. Bon, ça y est, ça c'est bien. C'est un bon début. Après aussi, un truc que je voulais dire, on a quand même le vieux qui sert à rien et la mauvaise sniper. Donc, c'est un peu normal aussi qu'on lutte. Hein. Qu'on lutte un tout petit peu plus que d'habitude. Je suis en train de me dire ça aussi. Si on a, si Marshall était avec nous, si Marshall était là, honnêtement, on passerait un meilleur moment. On passerait vraiment un super moment. Non, là c'est trop loin. Et là j'ai pas assez de PA. Bon bah.
lui, il faut qu'il s'avance comme un ouf, quoi. Protection, parce que je sens qu'on va se prendre des bons tirs là. Ouais. Ça va. Tout le monde, doucement avec elle. Il y en a même là, j'avais pas vu. Waouh, le mec il brûle son pote et tout. Ah, c'est des gros teubés, hein. Ok, très bien. Alors. Ah putain, elle a plus de PA. Fait chier. Je voulais faire. La requête nucléaire, je me suis dit peut-être que ça peut être pas mal en fait. Ouais non mais là ça va détruire la truc, elle va, ils vont péter un câble. C'est quoi toi? Un sniper? Plus maintenant. T'es un mort. Avec ça. Ah, ça y est, on est assez proche. Bien. Peut-être que... Je fais pas l'avancée là, le mec il va se prendre je sais pas quoi. Oh c'est pas grave, il tombe par terre, on le relève hein, et puis basta. Ça fait quoi exactement? Oh attends, mortel. 100% de dégâts qu'on cible d'une armure. Yes, les deux. Bon, ça valait le coup. Alors, je vais voir. Bien joué. Elle a... Normalement, elle va avoir 10% la prochaine fois, prochain tour. Très bien. Évidemment, il nous fait chier. Ah mais attends, il y a lui. Oh, bonjour.
t'avais un tout petit peu oublié, toi. Bon, ça va, on va pouvoir soigner notre... Putain, elle prend cher. Doucement, doucement, je comprends rien ce qui se passe vers le camion. Après j'aime bien que des fois ça se joue en même temps et tout ça. C'est qui a été entravé et pourquoi surtout? Je comprends plus rien. Ah, bien joué doyen. Ok cool. Alors on pourrait préparer notre... Voilà. Doucement, doucement, touche pas à un truc pute, hein. Un peu mardante là. Prenne ta mère. Est-ce qu'on a les snipers qui ont vu sur brume ardente? Fait chier. Parce que j'avoue que ça nous aiderait. Putain d'animaux de merde là. Déjà ça. Yes! Toxique. Malade. Je crois que malade ça réduit leur, leur stat en fait. C'est pas du dot, c'est des stats. Je crois. Alors est-ce que ça serait possible de tuer Brume Ardente? Je pense pas. Attends, je touche quoi là? Je touche pas le camion. Pas mal, hein. On pourrait la tuer. On est là, 80%. Ah oui, mais elle a pas le tir. Safe, elle. Ça, là. Ah, attends, est-ce qu'on peut faire... Elle est trop loin. Putain. Elle est pas morte. Elle va mourir de dot, fait chier. J'aurais bien voulu qu'elle ne meure pas du dot en fait. Qu'on la tue, que ce soit Sentinelle qui la tue, mais. Je crois que c'est mort ça. Pas mal là. Bien.
Bien, 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 bien. Alors, Thunder, t'es un tout petit peu dans la merde. Voilà. Ok, cool. Là, tu vas brûler. Il va falloir sauver Thunder. Ça va pas durer longtemps. Ok, très bien. Elle aussi, elle va crever. Oh, ça va. Allez, regarde la vengeance. Hop là. On va avoir quelques morts de leur côté aussi. Allez. Ouais, ce sera le bourré qui s'en occupera. Bien joué, doyen. Médic. C'est Big Medic, on aurait dû l'appeler Big Medic, comme Big Boss de Metal Gear Solid 5. Ces deux-là, je voudrais qu'ils tuent un peu les gens, en fait. Ceux-là, on va tous les massacrer. Là. Ah putain, lui évidemment il a plus de PA quoi. T'es quoi toi? T'es un mêlé? T'es juste un mêlé à la con. Du coup on va s'avancer. Putain. On gagne pas de d'expérience. Mais bon, ça nous fait du loot. Mais on est trop bon en fait. On est grave trop bon. On est grave trop bon, faudrait plus de morts. Mais bon, peut-être qu'ils vont pas se soigner après, je vois. Enfin, on va devoir changer de zone et tout, donc j'imagine que oui au final. J'arrive pas à avoir les pourcents. Il y avait une touche dans XCOM où la caméra se dézoomait. C'était une bonne chose. Putain, j'en étais sûr. Mon dieu, non. Ça va faire 20 minutes que je combat. J'en étais sûr. C'est pour ça que j'ai pris elle, parce que au moins elle a plus de pourcentage.
Oh mon dieu de merde. Bon bah on recommence. C'est pour ça que j'ai pris elle, parce qu'elle a plus de pourcentage, donc je me suis dit, il y a moins de chances d'erreur. Bah merde. Bon bah c'est cool, ça fait plaisir. Mon dieu. Ça c'est vraiment un combat de merde. On se disperse. Oh mon Dieu. Je peux même pas les brûler, rien. Oh, quelle catastrophe. Je suis sûr que là, ça va vraiment mal se passer. Ça va faire plaisir. J'ai pris un bon crit. Oh la blague. Don't mean funny, haha. Ça me rend fou ce combat. Faire trois fois qu'on recommence. Bah maintenant tout le monde est côte à côte, c'est bien. Vous voulez vous prendre une roquette? Une belle roquette? Alors après, je me dis, si je fais la roquette atomique, est-ce que si les gens ils vont dans la radiation, genre, est-ce que ça va les rendre méchants ou pas? Ah, oh, espèce d'enfoiré. Enfin, de toute façon, elle a plus d'AP, donc... Ce sera pas pour maintenant, quoi. Ils vont sûrement bouger, donc j'aurai pas besoin de tir. Alors là... Il y a personne de gentil. De méchant, pardon. C'est quoi le chef? Brume ardente. Non mais attends, pourquoi lui il a plus d'AP? Ah, il a été aussi assommé par cette merde. Très bien.
sais pas pourquoi. Enfin, je le fais, mais c'est pas utile, honnêtement. Ah, ça passe. Je sais que c'était méga risqué et con, hein, mais... Tout point où on en est. Là. Ah, vas-y, fais-moi peur. Oh la vache, doucement, doucement. Oh, fils de pute de ta mère de... Putain, les friendly fire, merci hein. Bande de cons. Oh là là, le friendly fire de ouf. Oh, c'est une catastrophe. Putain de friendly fire. Va récupérer un peu des HP, donc devrait être ok. Ah, il pourrait faire ça, c'est un ex-sniper. Eux, on va les laisser s'entretuer. Ouais, pas le putain, t'as foutu le feu au machin, quoi. Sans déconner. Par contre, elle est où la chef, Brumard Dantelle? Très bien. Ils ont quand même beaucoup de vie, ces gros là. Devoir sûrement sauver notre copine. Après, elle est accroupie avec beaucoup de PA, donc elle a beaucoup d'esquive. Donc ça va. Yes! Bien joué. Oh, oh, t'as pris cher. T'as pris cher. Arrêtez de vous tirer dessus, bande de débiles. Ah, espèce de fils de... Oh, ils ont tué le boss. C'est pas grave.
Ça va, Thunder, on est là. Putain, s'il y a des tirs qui passent à côté, il touche, il va tout toucher. Là, j'ai bien envie de tirer, mais j'ai pas vraiment envie de tirer, en fait. J'ai envie de tirer nulle part. J'ai envie de tirer nulle part. Je crois qu'on peut... Je crois qu'on peut juste laisser passer le tour, voir ce qui se passe. J'ai envie de dire. Par un cerf-volant. Ouais, alors là, avec de la chance, il y a encore un truc qui crève. Un ranger, là. Pas un ranger. Un guiber. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Karateman là qui s'en met. Ouais, bof. Après. Non, on peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On passe le tour? On va les laisser s'entretuer. Espèce d'enfoiré. Yes. Hop là. Attends, doyen. Bah, il reste encore quelqu'un? Ah oui. Allez, vas-y. Putain de merde, il fallait qu'il y ait une balle qui parte à côté. Ça va faire 40 minutes qu'on est dessus. 40 minutes à cause de... Oh la vache. J'ai hésité, je me suis dit bon, ça va passer, la 95%, l'autre elle est à côté, enfin elle est pas à côté, elle est... Ça m'en fout, ça m'en fout.
Ça m'en cinglé. Do you see them? Oh God. Ça va me rendre cinglé. I don't mean funny, haha. Ça me rend fou. The element of surprise. Non. On va se prendre une belle baffe sur Sentinelle, je suis sûr. Ouh, 243 de feu quand même. Allez, tirez-vous tous dessus et brûlez-vous tous, débiles de Gibbers. Corrupt Thunder, elle est très résistante. À tout ce qui est explosion, brûlure et tout. Là, c'est bien les tirs à côté, ça fout directement le feu. J'avoue que ça, c'est cool. Ça. Cible bloquée. Ah, man.
right, guys? Il faudrait que je mette les raccourcis. Comme j'ai dit, à chaque fois, je le fais jamais. Hein, mais... genre ça, là, les trois, par exemple. Parce que c'est vrai que c'est ceux-là que j'utilise le plus. Très bien. S'il tire sur lui, que ça touche lui, là-bas, là... Ça va être un peu relou. Thunder, elle est encore en bonne santé. Baisse la tête, Thunder, baisse la tête. Là, ils vont tous crever facilement et il n'y a personne qui va mourir du côté des cons, là, je suis sûr. S'il n'y a personne qui brûle, rien. J'ai rien dit, ils sont tombés un peu. Ouais non, j'ai rien dit, ils sont... Enfin quoi que non, il a brûlé que des ennemis en fait. Attends, tu vas me dire que ça fait double dot du coup, vu que c'est pas le même dot? Parce que là on a le feu qui entrave. Non, c'est quoi? Le feu qui fait je sais pas quoi. Et là on a le feu normal. Tu vas me dire que là on a deux dots. C'est pour ça qu'on ça fait 200 et quelques de dégâts. C'est abusé si c'est ça. On va les laisser s'entretuer. Mais là, si on doit soigner Thunder. Non, du coup. Ouais. Il y a nos animaux aussi qui doivent jouer. Et ils vont faire mal. Notre équipe, elle est trop bonne. Elle est juste trop bonne, notre équipe, en fait. Oh mon dieu.
On les laisse. Se mettre là, comme ça, si elle jamais on doit la brûler, on... Zeus y sera à côté. Ça serait bien qu'elle ait un soin automatique. Genre, quand elle bouge pas, ou quand elle truc, genre elle a un petit soin. Ça serait vraiment cool. Je sais pas si ça existe. Je sais pas si on se soigne ou pas, non. Ah, il va y avoir des morts là. Enfin, pas pour nous, hein, mais pour eux. Tuez pas elle, hein. Toi, tu vas mourir. Très bien, vas-y. Bah non, tirez-vous dessus, bande de débiles. Maintenant, si on peut soigner la sœur. Ah, ils saignent. Putain, ils m'ont fait saigner mon cheval. Je sais, c'est pas un cheval. Et alors ? En plus, on peut pas aider parce qu'il y a l'autre juste à côté, quoi. Ouais. Préparez-vous. Ah, ils se mettent tous en... Ah non, c'est préparez-vous automatiquement. Ça aurait été mieux que ça soit... défense. On prend de l'expérience quand c'est eux qui les tuent. Yes! Brûlez-vous, bande de débiles. Yes! Allez-y! Yes! Bande de cons. Oh putain, mon truc. Et ouais, je préfère choisir, soigner mon animal. Oh, j'ai peur que... Oh bah, de toute façon, je peux pas. Yes! Vas-y. J'ai peur qu'elle meure, elle. Vraiment de la chance. C'est bon. De se passer. Ok, y aller. Ah, peut-être que elle survit automatiquement. Non mais le carnage quoi, il y a eu plein de morts. Non mais ça va, Thunder. Ça va, t'as vu la Victa. Bon, attendez, on va faire. Non, une sauvegarde rapide, ça passe. Ok, alors fais voir un peu ce qu'on a récupéré. Ah, je suis content, là. Ah, ça a bien marché, pour une fois.
Alors, la camelote, cocon en pièce tenir, figurine de Ronnie, le dingue. Camelote. Oh, vous avez tous les sacs qu'on a? C'est énorme, là, ok, là, ça vaut le coup d'avoir commencé 50 fois. Ouais, parce que là, on a les fanatiques, mais on a aussi les gens. C'est quoi ça? Casque niveau 22, casque d'habitant du désert. Couvre-chef parfait pour protéger de la poussière et de la neige. Armure 8, résistance au froid 50%. Et tu vas me dire qu'il n'y a aucun prérequis? Genre, il n'y a pas de force, quoi que ce soit. On a eu un pistolet mitrailleur, niveau 11. Ça, c'est des gens. Hein. Ça, c'est des gens qui sont morts. Et là... Ah ouais, non, là, ça vaut le coup, là. Ouh, la vache. Et on est d'accord que on n'a pas foiré la mission, hein. Non, c'est bon, on n'a pas foiré la mission. Donc, attends. Ah putain, c'est plus en nouveau. J'ai le pistolet mitrailleur, je vais voir les dégâts un peu. Je crois que c'est de la merde. Hein, comparé. Ah, c'est celui-là. Ah non. 16-21, capacité mission, pénétration 7. Ouais, non, mais l'autre, il est mieux. Enfin, nous, on lui a mis un canon, je crois. Ouais. Non, le mieux, c'est mieux. Par contre, ça j'avoue que c'est super. Armure 8, résistance au froid. Alors, pourquoi on va mettre ça à lui? Ou pas? Parce que là c'est de la force 5. Toi t'as combien? T'as armure 5, résistance au statut 20. On a quoi? On a 25 et on a 27. Là, il est où le casque? Il est là. C'est bien comme ça? Ou ce serait mieux que ce soit lui qui est l'autre? Je sais pas. La distance aux effets de statut, du coup ça peut être le feu et tout ça en fait. Vu que lui il est plus... Ah ouais, maintenant c'est lui qui a le plus de défense. Ouais non, ça a pas trop de sens en fait. 30. Ouais, ça a pas trop de sens de comment on les joue en... Parce que l'autre, il est souvent dans la mêlée. Souvent dans la mêlée, donc ouais. Voilà, 34 et 30. Wow, you sure kicked the peach pits out of those savages. You Rangers really live up to your reputation. Eh ouais, c'est pas comme si on avait bousillé votre machine exprès pour que, hein, pour qu'il y en ait qui crèvent. Without Ronnie's statue, we would have been cats for sure. If you get any leads on how the Godfishers pulled that off, let me know. Ah, c'est marrant, il sent la statue. Ouais, mais non, tu l'as pas. Here's your payment, on time and as promised. You earned it. Merci. You too, Rangers. Parfait. Bon bah du coup ça a très très bien marché. Par contre on a augmenté en réputation. Je me demande si c'est moins cher. Welcome back, Rangers. What do you need? Sure. Have a look. 1100. Ah non, c'était quand même cher. Qu'est-ce qu'il nous faut ici? Donc on avait dit, hein, on prend que le strict minimum, c'est-à-dire... Il y a quand même vraiment des trucs sympas. C'est-à-dire l'armure Chemtech. Et ça, ces deux trucs.
Ouais, on va faire beaucoup d'argent quand même. Après tout le reste, on peut l'avoir autre part. L'armure aussi. Tank, trooper, on peut. Ok. On va réparer le. On va se faire soigner par les robots parce que on va devoir revenir au. Ah, quoique non, on n'a pas besoin. Non, 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 pas besoin. On va se faire remorquer. On va se faire remorquer. Et on va acheter tout ce qui nous manque. Copy November 1, toes on the way. Voilà. Nickel. Eh ben, c'est quand même une longue histoire, hein, Denver, hein, putain. Il y a des endroits comme ça où on reste genre plusieurs heures. Genre là, on reste plusieurs heures. Ah, c'est fatigant. Alors, faut voir l'ornement qu'on a récupéré. Déjà, je veux juste être sûr. Ok. Donc, apparence, capot. Regan. Bon, on va garder ça. Ta-d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 a-
Par contre, il y a l'appartement de luxe là. Sans luxe. Allô? Qu'est-ce qui manque? What the fuck? Putain. Putain de bourré quoi. Putain de poivreau. J'avais pas besoin d'acheter quoi. Vous imaginez combien d'argent c'est? 700 et quelques. Nous on l'avait payé 500 et quelques, je crois. Mais ça fait 500 d'économiser. Enfin, c'est pas grave. Non, c'est trop tard. Enfin, c'est pas perdu non plus. Hein. C'est pas perdu parce que. Parce que nous on a deux armures lourdes. Armes lourdes. Donc à la limite, si jamais on doit vraiment combattre que des trucs robots, bah on met les deux quoi. C'est la grenade réductrice, parfait. On a un RPG, deux requêtes. Ça fait de l'expérience. Eh ben, on a bien fait de venir. J'avais complètement... J'avais pas écrit le grippin. J'avais pas du tout écrit le grip. Mon Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que je réfléchisse. Alors du coup, il ne reste plus qu'à aller à Denver. Moi, je vais faire une pause. On va faire Denver. Seigneur de guerre, maintenant c'est de notre niveau. Renaissance réganienne. Donc, ouais. Donc, nous, on va faire ça, mais... On va donner ça au robot. Et du coup, comme ça, on va avoir le petit robot là qui va nous suivre partout. Ah, et avec Zeus, ça sera bien. Parce que du coup, on pourra le soigner et tout. Donc, ça sera vraiment utile. Qu'on a à faire au QG, rien. Non. On va prendre les gens. Je vais rouler jusqu'à Denver. On va peut-être avoir un combat entre les deux. Donc c'est pour ça que je vais le garder en vidéo. Je vais continuer. Et après, une fois que je serai là-bas, je vais sauvegarder. Je m'arrêterai et je vais voir ce qu'on achète. Je vais voir exactement ce que j'achète.
J'ai envie de dire dans un sens, on n'a pas besoin d'acheter autre chose, quoi. Parce que on a une réduction, oui, mais je crois qu'on paye beaucoup moins cher, genre pour les munitions, je pense. Genre pour les munitions, on peut les acheter ici, quoi, c'est moins cher, je crois. Peut-être au bizarre c'est moins cher les munitions parce que on est vraiment très très haut, je sais pas. Sure thing. Let's have a look. There you go. Anything else? I'll be here. Ok, alors toi. On garde le Razobrak ou on prend Billie Jean? C'est vrai que le Razobrak qui fait du poison, c'est pas mal. Hein. Mais bon, le Billie Jean, j'aime beaucoup le... Ah, on va prendre Billie Jean. Parce que Billie Jean, il peut enlever les AP. Il peut complètement retirer les AP, en fait. Genre moins 20, et ça c'est énorme, quoi. Parce que c'est un tour gratuit, en fait. La personne peut pas jouer. Peut simplement pas jouer, donc c'est beaucoup plus puissant. Alors, fusil d'assaut, ouais, de Marshall. Alors, du coup, on a du 9 pour vous. Enfin, surtout toi, toi tu vas kiffer. Toi tu vas kiffer, on a un pistolet. C'est celui-là, le gardien. Niveau 21, ouais, c'est arme de poing niveau 7. Putain, c'est vrai que t'as un space aussi. Putain, c'est énorme. C'est vrai qu'elle, elle est de cow-boy, elle est devenue super commando maintenant. C'est énorme, je trouve. C'est vraiment cool. Par contre, ouais, on a marchandise au max. Du coup, tu pourrais mettre arme de poing niveau 7. Et du coup, ça c'est niveau 7. Et là, on lui mettrait intelligence, je crois, non? Je me rappelle plus. Ah non, force. Là, elle a le fusil à pompe. Ça, c'est la balle magique. Ah oui, déclenche une attaque d'arme de poing, 50% de précision. Si attaque réussie, vous recevez 3 PA et la jauge de frappe immédiatement. Ouais, ça, c'est bien, en fait. Là, on a ça au max. Ça, on s'en fout. Okay. L'attribution, je sais pas quoi mettre. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à augmenter l'intelligence, comme ça elle gagne plus de points. J'ai pas un livre pour le marchandage. Charmeur, légumes, armure, bagarre, arme automatique, gros dur, mécanique. Non, j'ai pas. Modification d'armes, on laisse ça. Non. Vous rappelez que j'avais parlé du plus 9%. Donc je voudrais bien le mettre à 10, comme ça ferait plus 10%. Parce que ça a pas l'air de marcher, le point bonus qu'on a grâce au. Grâce à l'objet là. Ça a pas l'air de fonctionner. Hein. Bon, attribut en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra encore 2 points pour un PA en plus. Là, ça va augmenter ses... Ouais, non, c'est pas vraiment intéressant. Je pense qu'on va lui mettre de la force. Ah, parfait. Ah, par contre, pour l'équipement... Toi, t'as quoi? Toi, t'as du niveau 5. Ouais. On peut mettre des trucs un peu mieux. On n'a pas énorme, hein, mais... Attends, ça c'est quoi, niveau 5 armures? Là c'est 2 armures. Ouais, elle est un peu en retard en fait. 4, 5, 5. Sept. Autant lui mettre plus haut qu'on est. 4, 4, 3. Armure 4, vitesse, résistance au crit.
peut-être que ça c'est pas mal. Ok, elle est prête là. Putain, bah, des bonnes armes, hein. Elle a vraiment des bonnes armes. Genre le pistolet, normalement il va faire méga mal. Hein. Enfin, j'espère. Alors toi t'as quoi? Précision, perception, armure. Tos, armure 7. Armure 3. Les jambières, je crois qu'on a mieux. Ou pas. On n'a pas mieux. C'est pas grave. Il nous faudrait ça. Deux fois au fusil d'assaut, ça fait un critique. Je crois. Parce que là, compétence, on a l'HQ au max, donc on s'en fout. Donc arme auto niveau 7. Et là, maintenant, on a ça. Si vous attaquez une cible deux fois de suite avec un fusil d'assaut, la deuxième attaque est toujours un coup critique. Toi, tu vas faire mal. En plus, c'est vrai qu'on t'avait vachement bien équipé, hein. Avec le M19 là, c'est du 5,56, on en a plein. On pourrait même l'augmenter encore. Ça serait violent. Hein. Pourquoi pas. Ça va être violent. Et après, on a celui-là aussi, qui fait très mal. Ouais. Non, lui, il va faire mal. Lui va faire mal. Augmenter la coordination au max. Ah oui, c'est vrai que en plus il a la peau écailleuse, il a le sac de chair et tout. C'est vrai que oui, toi t'as des bonnes déformations, toi. Un coup de supplémentaire, comme notre chef. Toi t'as un troisième œil. Ouais, nickel. Donc en arme, on est bon. Attendez que je vérifie. En théorie, on est bon en arme. Là, on a 9 roquettes. Ouais. On est nickel. Ça pêche un peu au côté des armures. Peut-être, ouais, des jambières et tout ça. Il nous faudrait. Mais honnêtement, ça va aller. Honnêtement, ça va aller. Ça va faire mal. Donc, est-ce que on veut des munitions? Fais voir les munitions. Donc là on est du 45. Bon, les munitions énergie, on s'en fout. Ils ont pas de robots. Enfin quoi que... Non mais on peut les pirater, les tourelles et tout ça. Donc ça va. Par contre là, des balles de sniper il faut. Du calibre 50. Du lance-flammes. 5,56 on a. C'est quoi ça, du 45? Non, cartouche de fusil à pompe, ça c'est du 45. 45 aussi on en a. Très bien. Je me demande si c'est bien en fait l'exécuteur, si je l'ai bien modifié, parce que c'est vrai que j'ai baissé... Enfin je sais pas. Enfin si, il fait quand même beaucoup plus de dégâts qu'avant. Faut pas dire l'inverse, faut pas dire le contraire. Il fait quand même beaucoup plus de dégâts qu'avant. Alors on a 1700 de ferraille, je peux les garder. Je vais les garder. Par contre, je voudrais donc du 30-06. Donc, je sais pas si c'est le moins cher ici. Du 30-06, c'est ça. Non, c'est du calibre 50. 5$ l'une. Donc. Et après, ça fait 8 au lieu de 10. Donc, si on en prend beaucoup, c'est pas mal. Donc 20, 80 dollars,
24 de réserve. Après, il nous faudrait un peu de lance-flammes. C'est pour ça que je me demande, est-ce que Peau Bizarre, c'est pas moins cher? Mais bon, de toute façon, c'est des petits prix, donc ça va pas faire grand-chose en fait, de différence. Et après, est-ce qu'on est obligé de faire du calibre 50 là? Il n'y a pas autre chose? .736. Ça. .736. .762, pardon, j'en ai 92. Voilà, du coup c'est bien. Là on est bon. Là on a l'équipement. Voilà. On a pas. J'ai acheté un peu des munitions mais pas trop. Ok, c'est parti, on repart. On repart à Denver et comme j'ai dit, je ferai une pause. Je vendrai toute la camelote et tout. Et j'achèterai donc l'armure. Je veux faire une pause parce que je veux réfléchir déjà à quoi prendre. Parce que c'est un magasin qu'on va plus avoir en fait. C'est ça le problème. Donc faut que je réfléchisse si je veux prendre plus ou pas. Mais en théorie, non. Normalement, non. On n'a pas besoin de plus parce qu'il y a le bizarre, en fait, qui vend... Je crois qu'il vend tout, en fait. Qui vend tout ce qu'on a... tout ce qu'elle vend, elle. C'est juste qu'elle a l'armure spéciale, là. Merde. Ennemi repéré. C'est des drôles. Ok. Éviter les drôles. Chance infime. Prendre par surprise. Ah bah c'est bien, c'est bien. On va gaspiller des balles, c'est bien. Enfin, on peut les écraser, les drôles, donc ça va. Fais voir un peu. Parce que eux ils vont venir là, on va peut-être tuer ceux-là là, au bal. C'est pour ça quand même. Ouais. Ça va. Cool. Cool, cool, cool. Ce que je suis en train de faire, c'est utiliser les gens qui ont beaucoup de munitions en fait.
What the hell in hellacious? Oh, doucement. Ils explosent, je me rappelle plus. Non, bah plus ils aussi explosent. Ah, bon, c'est oui. Ça va, on a encore le doyen, on a ça. On a notre vachette, on a notre clone. Ça va, on est bon. Terrible son truc. Ça marche bien, ça marche bien. Ah là, on voit qu'on n'a pas la même équipe, hein. Pas mal. Ça va, il est où le doyen? Il est là. Ah, du coup, on peut rouler ou pas? Il faut se faire remorquer. Je l'ai pas réparé, mais est-ce qu'après le combat, on a genre 1 HP? Ou pas? Après, je sais qu'on a encore des gens empoisonnés, mais normalement, ils sont ok, non? Secondes encore. Ça va. Après, on n'est pas loin, hein. On pourrait rentrer, mais bon. Le truc, c'est que ça nous fait encore perdre du temps. Mais ouais, non, là on a la team principale, hein. La team Alpha, ça. Hein. Genre, elle fait mal avec son nouveau pistolet. Elle a le système aussi de monter sa. Monter sa barre là. Non, son attaque spéciale. Avec un tir, une chance sur deux. Lui maintenant, là, le Marshall. Il est devenu extrêmement puissant aussi, pareil.
Denver, c'est là. Extrêmement puissant. Double tir, critique obligé. Ah, c'est pas de la merde, hein, de cette équipe. Hein. Embuscade. Merde. Traînée de sang, tandis que vous cherchez la victime, les têtes dures surgissent. Tas de ferraille, les lèvres ensanglantées. Survie. Il y a un marécage à moitié gelé jusqu'à côté de la route. Vous montez dans le Kodiak tandis que les balles des têtes dures fusent et vous filez sur le terrain boueux. Ils vous suivent, mais leurs camions sont trop chargés de ferraille et ils se retrouvent coincés. Vous êtes libre. C'est qui nous ont attaqués? Des trucs qu'on connaît pas. Je crois. Bizarre. Je crois qu'on a bien fait de... Je crois qu'on a bien fait de partir. On mettait des machines. Ah, je suis content. On a récupéré en plus notre équipe, là. Bonne équipe. Oh, ils vont prendre cher, les autres trop fous, là. De Reagan. On prend tellement cher. Très bien. Are you in need of repairs or enhancements? Repairs to dermal. Yes, you may experience a desire to move. Resist this to the best of your ability. On a bien joué, hein, honnêtement. On a bien joué avec les missions. On a baissé le prix du magasin là des cinglés de Reagan. Mais on n'a pas pourri leur mission. On a détruit la statue, c'est vrai que ça les a foutus dans la merde du coup, donc il y a beaucoup de gens qui sont morts. On a pu récupérer de l'équipement supplémentaire. Et maintenant on va tuer ce qui reste. Bah tiens, du coup on va voir. On va voir si... S'ils réapparaissent ou pas, parce qu'il y a au moins 2-3 morts quoi, de leur côté. Parce qu'il y avait beaucoup de gens à l'extérieur là, dans cette zone là. Donc peut-être, en théorie, il devrait en avoir beaucoup moins. Vas-y, fais-moi rêver. Bon, faire gaffe qu'il n'y ait pas de bestioles ici, s'il y a des bestioles avant. Il y a ça. C'est trop drôle. Oh. Il y a des drôles sur leur équipe, sur leur territoire. Ah, là, il y a quasiment plus personne chez eux. Il n'y a que ces trois-là. À l'extérieur, il n'y a quasiment plus personne. Oh la vache! T'apprendras, saloperie. Mon dieu... Ça doit être blindé de drôle. Rangers?
You too. Judgment Day is... Qu'est-ce qu'on fait? On fait les drôles maintenant. Je veux voir le prix vite fait. Pour me faire rêver. Je veux rêver un peu. Welcome back, Rangers. What do you need? Sure. Have a look. J'ai cru que c'était 92. Parce que le curseur était resté bloqué. 1000 au lieu de 1000 et quelques, 600 je crois. Et là ça fait 250, 250, 500. À peu près 1500 et on a tout ce qu'on veut. Après le reste on s'en fout comme j'ai dit. Il n'y a que l'armure. Bon, l'armure trooper là elle est vachement bien, je suis d'accord. Mais on peut l'acheter autre part. Le requête, on a un Stinger, donc pas besoin de requête. Tout ça, on n'a pas besoin en fait. Alors oui, il y a des atouts là, oui, qui peuvent être intéressants, mais bon, ça fait 100$, 50$. Je sais pas si ça vaut le coup d'en prendre. Non, on peut prendre ça, les trois là. Mais je le prends après, comme j'ai dit. D'abord, on va voir si on peut monter de niveau ou trouver autre chose. On va aller tuer les drôles. Attends, on va sauvegarder, on va faire une vraie sauvegarde. J'ai l'impression qu'il y en a une tonne. Très bien. J'ai l'impression qu'il y en a une chier hein, des trucs. Hein. Oh, mais tout ce qu'il y a. Oh ouais non mais là on va... Bah là il faut que je prenne une pause maintenant parce que là on en a pour au moins 30 minutes, 20 minutes. Allez, 20 bonnes minutes. À tout faire. Et honnêtement ça me fait un peu chier, c'est pour les munitions. C'est un peu pour les munitions là, que ça me fait un peu chier. Ouais, je vais faire une pause et on va après on va se faire tous les drôles. Ce qu'ils vont tirer c'est surtout avec du 45, du 5,56, le lance-flamme pas trop parce qu'on en a pas beaucoup, sniper non plus. On va se débrouiller. À la prochaine, ciao ciao.